Je m'appelle Charles, bien sûr, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Culture physique, aujourd'hui, donc, on a besoin d'une petite paire de poids. Vous connaissez les alternatives, si vous n'avez pas de paire de poids, prenez deux bouteilles d'eau, deux paquets de pâtes, deux paquets de riz. Voilà, tout ce qui peut correspondre, ça sera très bien. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on est barré. On va enrouler un peu les épaules vers l'arrière. C'est parti. Voilà, ici, pour déverrouiller un petit peu ses articulations, ses muscles. Voilà, belle journée, belle semaine qui commence. Allez, enroulez un petit peu plus vers l'avant. That's it. Allez, quatre derniers comme ça. Ouvrez grand, inspirez, soufflez, ouvrez. Deux de plus. Ok. Step touch. Droite et gauche ici. Step touch. Alors, on essaie d'être dynamique tout de suite. On essaie de mettre de l'amplitude. De descendre un petit peu sur ses jambes. Souriez parce que la semaine commence bien. Hein, on est ensemble. Allez, talons fesses ici. Talons fesses. On y va. Talons fesses. Petit échauffement cardiovasculaire, bien sûr, pour démarrer. Encore. 8. Très bien, levez les genoux, tirez ici, tirez, genoux, serrez les coudes, serrez les omoplates, et si on veut, on peut rajouter un petit rebond, voilà, tout ça. Step touch, de nouveau, step touch. On va faire une petite combinaison facile pour se mettre un peu plus en route. Deux de plus. On va doubler les step touch. Doubler. Double. Même chose. Double. On rajoute les bras si on veut. Encore. Très bien. Un step touch et on marche sur place. Un step touch. Marchez. 4, 3, 2. Deux step touch. 4, 3, 2. Et on peut rajouter ici. Deux step touch. Un squat, deux step touch, un squat, un squat, encore, on rajoute, donc deux step touch, deux petits gants, deux, encore, deux, très bien, dernier. Step touch sur place, restez. Ok, marchez sur place, restez. Marchez, utilisez un petit peu les bras pour faire monter un peu plus la fréquence cardiaque. On va bouger un petit peu en diagonale. On va aller à droite, puis aller à gauche. Marchez diagonale à droite. 4, 3, 2, genoux. Genoux ici. Talons fesses. 4, 3, 2. Petite combinaison toujours. Marchez. 4, 3, 2. Petit squat. 1 et 2. Ici. Genoux. Talons fesses. Allez, 15 secondes. 15 secondes. Marchez. Deux petits. Encore une. Genoux. Très bien. Levez les bras ici. Levez. Petit tour d'assaut ici. Allez, l'échauffement cardio est terminé. Échauffement un petit peu musculaire aussi, articulaire. Allez, vers l'avant. Très bien. Poussez sur l'arrière, ici. Allongez bien les bras, échauffement des épaules là. Très bien. Stop. On va de nouveau bouger. Toujours l'échauffement. Gardez bien les coudes et les bras levés. Même chose, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus vite? On y va. Allez, fin de cet échauffement hein, pour les épaules. Stop, restez. 4, 3, 2, et relâchez, restez. Ok, buvez si vous voulez.
reprends les points pour la suite. Alors, on va commencer avec les cuisses, évidemment. Écarte un peu les pieds. Deux toi ici. Deux ici, position de squat. Alors, moi j'amène les mains vers l'avant. Vous pouvez garder les mains en hanche. Même chose. On fait un squat ici, on fait lentement. On passe le pied gauche derrière et fente. Squat. Le pied droit, bien sûr. Fente. Un peu plus rapide. On y va. Squat et fente. Même chose. Très bien, on fait la même combinaison, mais uniquement avec cette jambe. Ici, donc. Hop, comme ça. Même jambe, même jambe. Soufflez, bien sûr. Belle fente, derrière. On est toujours du même côté. Toujours. Encore. Très bien, on fait deux petits et deux. Maintenant, deux, 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 deux. Là, vous devez sortir la cuisse droite, hein. On passe à quatre de chaque. Quatre, go. Quatre, trois, deux, fente. Quatre. Ça va là? Ça commence à chauffer, hein. Quatre. Est-ce qu'on peut faire 8? On essaye? 8. 8. J'ai pas dit petit, hein. Allez, 8. Fente. On va reprendre un seul de chaque. Un seul. Maintenant, squat et fente. Toujours du même côté. On va terminer. On reprend deux petits, deux, deux, deux. Derrière. Allons finir cette jambe. Et pour finir ici, genoux. Allez, tonique. Et stop. Ok. Restez là, hein. Relâchez un peu, buvez si besoin. On fait l'autre jambe. Mais avant ça, on laisse un peu le bas du corps. Biceps, ici. Allez, facile. Donc là, vous pouvez très bien charger un sac à dos, hein, de chaque côté, là. Prendre votre pack d'eau qui est plein à la maison, hein. Ouais. On peut y aller. Single. Et on revient. Encore. Même chose. Serrez les coudes, bien sûr. On alterne, c'est parti, alternez. Bras tendus, serrez les coudes. On peut aller un peu plus vite. Allez-y, allez un peu plus vite. Contrôlez votre mouvement, surtout ne balancez pas les bras, restez bien stable. Rien ne change, chose, même chose. Encore. Allez, les dernières. Serrez les abdominaux, soufflez. Les deux en même temps. Tout petit ici, tout petit, go. Très bien, bougez pas. On tend les bras ici. Donc, les coudes sont levés, on va rapprocher. Si vous gardez les coudes levés, ça va être intense. Ici. Épaules basses. On alterne les deux. Single, alterné. Droite, gauche. Allez, essayez vraiment de garder les coudes levés, soufflez. Mettez un petit devant pour être plus à l'aise, peut-être. Les deux bras, tout petits là-haut. Comment ça se passe, ça? Ouais? Allez,
On revient, on reprend. Single, go. Les jambes tournent pour l'instant. Dernier bloc. Et on reprend celui-ci. Allez, une petite minute pour les biceps. Tonique. Les temps en temps et tout petit là-haut, 40 secondes, allez 40 secondes. Très bien, stop, bras tendu et on finit avec celui-ci. Go. Et relâchez. Très bien. Buvez si besoin. On fait l'autre jambe. Tu dois simplement avoir une pause. Vous vous souvenez, on se replace. C'était un squat et une fente. On y va. On a changé de jambe. Hein. On y va. Go. Allez, fente. Une belle fente. Je rappelle la fente. Hein. Ici, on doit avoir angle droit à peu près. D'accord. Il ne faut pas que je m'avance trop. Un petit peu. Hein. Deux petits. Et deux. 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 Quatre. Quatre. Trois. Deux. Fente. Maintenant. Quatre. N'oubliez pas de bien vous replacer. Derrière. Huit. 8, comme 8, 7, 6. Un pied derrière, comme. On va reprendre. Allez, une petite minute pour cette jambe, on fait une pause. Single, single. Un seul, et fente. Si ça va, levez. Plus intense. Plus de déséquilibre qui se crée. Deux, deux, go. Deux. Et pour finir, genou ici, tonique, on fait une pause. Allez, genou. Allez, reste 10 secondes. Même chose. 8, 7, 6, 5. Et relâchez, stop. Très bien. Buvez si vous voulez, on garde les poids pour la suite. Deux exercices debout et on passe au sol. Ok. Alors, la position. Donc les pieds largeur des hanches, largeur du bassin. Je fais le profil. On fléchit un petit peu les jambes, on se penche un petit peu. Le dos. Ouais. Mouvement classique mais essentiel. On va serrer les coudes ici. Puis, on ouvre. Ouais. C'est parti. Deux temps. Deux. Ouvrez. Serrez. Ouvrez. Donc, on va chercher légèrement sur l'arrière. Une chose, tirez. Ouvrez. Serrez. Ouvrez. Aspirez ce nombril. Single. Toujours avec le sourire, bien sûr. Mat. On rajoute un exercice. Donc, serrez une fois. Ouvrez une fois. Large. Deux. Serrez. Serrez. Ouvrez. Large. Même chose. Même chose. Ouvrez. Deux. Serrez. Ouvrez large. Et deux. Très bien. Serrez. Trois petits. Ouvrez large, trois petits.
Je rappelle la posture, hein. Développer ici. Attention à pas être ici, hein. Juste un petit peu. Encore une. Très bien, on reste là, on reste là. On va nager un petit peu aujourd'hui. Ça va vous plaire. Tout petit. Si vraiment le faites bien, vous allez vraiment sentir un truc intéressant. Bougez pas. Stop. Levez le bras ici. Je fais de profil. Et on change le mouvement du nageur. Gardez bien un bras au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Ok, seconde nage. Les deux bras. Et on termine. Go. Quatre derniers. Trois derniers. Et relâchez. Stop. Ok. Posez les poids. Vous n'en avez pas besoin pour la suite. Vous pouvez les garder si vous voulez. Ce sera plus intense, évidemment. Mais vous pouvez le faire sans poids. Pas de problème. Ça va le dos là? Ouais. On va appeler les pieds. On va mettre un petit peu plus de rythme. Pas très long, ça va suffire. On fait lentement la combinaison ensemble. Non? Donc, on a les pieds larges pour démarrer. Un squat large. On serre. Squat. Avancer. Et on recule. Squat. Serrer. Devant. Oups, j'en ai oublié un. Derrière. Ouvrez. C'est celui-là. On serre. Devant. Derrière. Large. On peut sauter. Sauter. Devant. Derrière. Vous choisissez, hein. Vous n'êtes pas obligé. On peut très bien rester ici. Et si ça va, un peu plus vite. C'est parti. Large, serré, devant, derrière. Large, serré, devant, derrière. Sinon, ici, ici. Allez, 15 secondes, 15 secondes. Super. Deux de plus. Derrière. Et relâchez. On est bien là, hein? Ouais. Buvez si besoin. On s'allonge sur le dos pour la suite. La poitrine. Gardez les poids avec vous. Voilà. La poitrine, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu ensemble. Je vais faire un peu de profil comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, ici, vous allez ouvrir et développer les deux. Ouvrez. Développer. Voilà. Ouvrez large. Grand. Développer. Ouvrez large. Signal. Ouvrez. Développer. Serrez les secondes plates. Toujours pareil. Trois petits, trois, deux, ouvrez, développez. Single, de nouveau, ouvrez, développez. Même chose, allez tonique, même chose. Deux de plus. Trois petits développés. De nouveau. Trois. Deux. Large. Développé. Tout petit.
sans s'arrêter, tout petit, qui font bien monter la pression. Hein. Ouais. On remonte, ouvre large, go. Tout petit, ici bien sûr. Encore, encore. On va rester sur ce mouvement. On supprime le second. On remonte. Single, uniquement celui-ci. Ouvrez. Grand. Alors, on va terminer cet exercice. Tout petit en bas. Les dernières secondes. Et relâchez, stop. Très bien. Alors, pour la suite, on va faire l'arrêt des cuisses. Je vous montre un nouveau mouvement pardon, qui est intense, très intense. L'option, vous la connaissez, je vous montre une autre option, notamment, ça va être accessible si vous avez un seul cuisse sur vous. D'accord ? Si vous avez un endroit, cuisse, vous allez pouvoir utiliser ça. Je vous montre la première option. Attendez, hein. Donc, ici, on lève les fessiers, on va faire glisser sans bouger les fessiers. Ce qui est mieux, c'est de prendre un manche à balai et de mettre les pieds dessus. Je le refais. Donc, imaginez, j'ai le manche à balai au sol, les pieds au-dessus. Là, je vais faire glisser et remêler avec le manche à balai. Si vous n'avez pas à disposition, c'est pas grave. On est ici, on avance un peu et on lève. Tout simplement. Vraiment, je vous incite à le faire, je vous encourage à le faire si vous avez un manche à balai à proximité, ou à enlever un bâton, une surface un peu glissante. Gardez les fesses levées, vous avancez les pieds, vous ramenez. Je vous assure que c'est très intense. Comme celui-ci d'ailleurs. Single, en haut et en bas. Sortez tout de suite l'arrière de la cuisse. Vous pouvez prendre des poids sur vos cuisses également. Attention les lombaires. Trois petits là-haut. Trois. On contrôle doucement. Vous sentez déjà ici. Bien sûr. Tout petit là-haut. Tout petit là-haut. Très bien. Restez là. Poussez dans le pied droit. On va lever et descendre. Toujours pied droit. Levez. Levez vers les hanches. On engage toujours les abdominaux, on va allonger cette jambe, ramener, et au sol, ouais. Attendez, un petit moment qu'on l'a pas fait celui-ci, hein. Même chose. On va pouvoir évidemment accélérer cet exercice. On y va. Même chose. Allez, on termine celui-ci. Gardez ça. Dernière. J'ai entendu. Stop. Pédalo ici pour finir. Pédalo. On garde les hanches levées. Les dernières. Et relâchez, stop. Ça va ça? On change, hein? L'autre jambe. On pousse dans le talon, on lève, on y va. Et on descend. Et on descend. Chose. On va allonger, vous souvenez, on va ramener et on descend bien sûr.
Est-ce qu'on peut accélérer? Allez, 40 secondes. Single, on lève. Temps. Pour sortir l'air de la cuisse, il faut que le pied soit un peu avancé. S'il est trop proche, sortir le fessier. Là, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Moins de 30 secondes. Dernière. Stop. Pédale pour finir. Pédale. Allez, termine. Huit, sept. Et relâchez. Voilà. Comment ça va? Buvez bien sûr. Hein. Allez, il me reste environ 10 minutes à peu près. On essaie de s'y rendre à peu près. Hein. Un peu fessier pour l'instant, parfait. Un peu mieux pour l'instant. Pied au sol. Vous allez lever ici, tout simplement. Vous aspirez sur le genou. Soufflez juste avant de monter. Ouais, évidemment, changer ça. Hein. Léger creux au niveau des lombaires. On essaie de garder. Le menton légèrement décollé. Allez, gardez ça pour l'instant. On va essayer de mettre un peu plus d'intensité. Très bien, on va transformer. Single. Ici, les pieds sont décollés. On y va. On replace les mains. Trois petits là-haut. On descend. On descend. Sept petits. Go. Sept. Six. Trois. Deux. On retient. Une chose. Vous pouvez garder le pied au sol si vous le souhaitez. On descend. Single. En haut. Ou alors ici. On termine cet exercice. Trois petits avec ou sans les pieds décollés. Trois. On revient. Et pour finir, sans s'arrêter. Allez, go, sans s'arrêter. Petite impulsion. Huit, sept. Et relâchez, posez. Ok. Puis si besoin, évidemment, on passe un peu aux abdominaux, obliques, d'accord? La taille qu'on n'a pas encore faite. Alors, ici, épaule droite, vers genou gauche, et changez. Ce n'est pas très long. On va sauter ici derrière. Même chose. Avec le genou. Épaule droite. Genou gauche. Single. Une chose, un peu rapide, avec le laisser. On y va, ouvrez. Gardez son abri, toujours inspiré, aspirez, pardon, j'insiste à twister. Et autant les jambes, si on veut, et si on veut, maintenant. Everybody, move your body, move your body.
Dieu, maintenant, Dieu. Dieu. Très bien. On reprend. Single. On termine. Single. Vous pouvez mettre la tête au sol si nécessaire. 8, 7. Et stop. Ok. Exercice suivant. Sur les genoux aussi. Alors. Ici. Allongez la jambe. Donc les genoux sont sous les hanches. Les mains sont sous les épaules. On allonge ici. Et on revient. C'est parti. On essaie que ce genou ne pose plus au sol. Poussez en ce talon. Serrez le fessier. Hanche face au sol. Single. Ne balancez pas cette jambe. Même chose. Allez, 4 fois. Combinaison derrière, on ouvre, on ramène, on revient. Derrière, ouvrez, ramenez, on descend. Toujours, toujours. Derrière, gardez la jambe tendue, stop, tout petit là-haut. Serrez bien ce fessier, hein. Toujours. Très bien, on revient, single sur l'arrière, go. Là, vous devez sentir le fessier. La combinaison, bien sûr, derrière les côtés, derrière. On ouvre, on ramène, on roule. Yeah. Ouvrez. En gardant la jambe levée, n'oubliez pas. Allez, c'est la fin pour celui-ci. Jambe tendue, stop. Tout petit là-haut, tout petit. Allez, 10 secondes. Quatre, trois, deux, et relâchez. Ça va ça? Moi je change le côté pour vous pousser voir cette jambe. L'autre côté, sommet, deux temps. Lorsque vous êtes prêt, on change de jambe. Mon dernier, on pousse en ce talon bien sûr. Et on accélère. Pardon. Allez, moi. Allez, tonique. Chose. Vous vous souvenez de la combinaison? On faisait derrière, on joue, et on revient. Go. Et on revient. J'ai entendu. Tout petit là-haut. Et on repart une minute. Single derrière. On revient. Derrière. Allez, tonique toujours. La combinaison. Derrière. On ouvre. On ramène. Et on revient.
Allez, deux de plus. Moins de 30 secondes. J'ai entendu. Tu peux tirer là-haut. Les ultimes secondes. Et relâchez. Stop. Très bien. Gainage. Ouais, on finit avec ça. Alors, genou ici. Attention, on va être là. Allongez bien. Genou si on veut. Et si ça va bien, et bien on décolle. Aspirez ce mandril. Contractez les cuisses, fessiers, le dos, les bras, les abdominaux également. Encore. Ok, on va bouger un petit peu. On va aller vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Go. Et vers l'arrière. Ok, bougez pas, stop. Décollez vos coudes, avancez un peu les mains. On tient. Les mains sont avancées, c'est un peu plus intense. Et on peut commencer à reculer un peu les pieds. Vous avez vu, je commence à perdre l'amplitude là. On aspire sur mon rythme. Et relâchez, osez. Ok, venez vous asseoir. Passez le pied dessus, bloquez dans vos genoux. Redressez. Est-ce que ça va? J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, vos ressentis, vos suggestions, avec plaisir. Allez, ramenez ici, vous connaissez le trio, hein, j'aime bien faire. Les étirements là, on descend, sentez l'arc de la cuisse ici. Si c'est pas possible, on pose la main sur la cuisse. Sinon, on descend un peu plus. Redressez. Gardez le genou dans le sol, franchissez un petit peu sur l'arrière. Là, vous allez sentir l'étirement ici. Hein. Très bien, changez de côté, bien sûr. Là. Redressez. Ramenez le talon derrière, angle droit si on peut. Donc là, on s'allonge complètement. Si vous ne pouvez pas, on tient ici. Vous pouvez mettre, prendre notre serviette, attraper le pied pour étirer l'arc de la cuisse. Redressez. Gardez le genou dans le sol. Penchez un petit peu. On pose les coudes si on peut, vous allez sentir l'étirement à ce niveau-là. Ok, on ramène. Talon proche des fessiers. On prend appui derrière. Donc là, vous attrapez un poignet derrière les deux genoux. Arrondissez pour étirer le dos. Déroulez. Ouvrez les bras. Placez les mains dans le bas du dos. Sentez la poitrine ici. Passez le bras devant, biceps ensuite. Vous avez donc soit cet étirement, soit vous tournez et on allonge ici. On change. Ouvre le bras, attrape la pointe de pied ici. Serrez les genoux. Changez bien sur le côté, là. Pieds joints. Grandissez, allongez, poussez dans le talon. Passez devant, donc ici vous arrondissez, poussez dans le vent pour attirer le dos. Inspirez, ouvrez, encore une fois, arrondissez de nouveau. Vers le haut.
Très bien, relâchez. Relâchez un petit peu les bras, relâchez un petit peu les jambes. Le cours est terminé. Bravo à vous. Merci à vous d'avoir suivi le cours en live ou en replay.